Je vous aime, Arnaud. Coupé! Wonderful! Amandine, ma chérie, tu as été magnifique, so gorgeous. Jérôme, je voudrais pas casser l'enthousiasme général, mais il y a quand même eu un petit problème. Et c'est quoi le problème, ma chérie? Ma chérie, oui. Dans la dernière réplique, elle a dit « Je vous aime, Arnaud ». Oui, non, non, j'ai dit « C'est quoi le problème ?» Dans le film, il s'appelle un peu Kevin. T'es sûre? Ben oui, c'est marqué là. Je vous aime, Kevin. K-E-V-I-N. Oui, non, non, ça va, je sais. Merci. Amandine, tu as vraiment dit « Je vous aime, Arnaud » ? Oui. Damnée, là. Putain, elle est grillée de la cervelle. Bah ça doit être à cause des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques. Putain, mais c'est quoi cette casquette? Bah ça, c'est contre les rayons cosmiques, justement. Attends, l'activité solaire est intense en ce moment. Faut bien que je me protège les cheveux. Ma chérie, oh là là, dis donc, il faut que tu sois un peu plus concentrate. You know, dans le film, Arnaud, il s'appelle pas Arnaud, il s'appelle Kevin, donc il faut l'appeler Kevin, pas Arnaud, ok? Ah bah va comprendre là, c'est sûr. Ok, pas de problème. Kevin, Kevin. Bon, Pascal, c'était comment l'image? L'image, nickel. Par contre, pour le reste, moi je suis pas coupable. Hein. Cyril, c'était comment en son? Wow. T'es sourd ou quoi? Ouais. Bon, c'était comment en son? Ah, super cool. Bon. Mais ça a coupé presque tout de suite. Ça a coupé? Mais pourquoi t'as rien dit? Parce que vous étiez en train de tourner. Non, non, non. C'est n'importe quoi, ça sert à rien de continuer à tourner sans son. Je sais pas, moi je suis pas le réel. Mais Cyril, oh merde, un film sans son, ça... Bon, merde, là. Et pourquoi ça a coupé d'abord? Cédric, qu'est-ce que tu fous? Bah rien, mais il y a des câbles partout. Oui, parce que toi t'as déjà vu un plateau de tournage sans câble. Ah bah oui, alors ça y est, ça va encore être de ma faute. Bon, tu dégages, tiens, tu fais ce que tu veux, tu fais du café, mais tu ne reviens que quand on te rappelle, c'est compris? J'avais dit que la prise 13 serait ratée. On aurait dû passer directement à la 14. Les gars, on s'y remet. Hein. Je vous rappelle qu'il nous reste 3 scènes à tourner. 3. Alors, quoi? Vous voulez qu'on y passe toute la nuit? Non, galère, moi je voulais rentrer chez moi. Et ben voilà. Et ben voilà, lui, il préférait être chez lui. Et ben nous, c'est pareil, on préférait être chez... Chez nous. Bon, tout le monde en place, on s'y remet. Il est où le clap? Je sais rien moi. Tiens, demande à Cédric. Cédric! Voilà, voilà, j'arrive. C'est quoi ça? Bah c'est le café. Mais non, en dessous. Ah, tu parles du clap. C'est vachement pratique pour porter le café. Hein. Oh mais le débile. Bon, tu me dégages ça et tu le donnes à Clara. Non mais, je fais comment pour porter le café après? Mais je veux pas le savoir. Tu le bois avec tes narines, tu fais ce que tu veux, mais tu donnes ce clap à Clara. Ouah, hey, si tu bois le café par les narines, tu sais ce que ça fait? Non. Ah bah ça fait du Nescafé. Bon, les gars, vous arrêtez vos conneries là? Un amour poisseux à Paris, scène 4, 14e. Action! Tu sais ce que ça fait quand tu bois du café par les narines? Non. Ça fait du décaféiné. Ah!